Et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les deux minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CDAO, par exemple, eh bien, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Je vous remercie, monsieur le député. Voilà, mes chers amis, vous avez écouté l'échange entre le député, Jean-Paul, je ne m'étais pas trompé, Jean-Paul Lecoq, et Madame Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, que le député Jean-Paul Lecoq a reproduit strictement les quatre points du programme de revendication de l'Afrique des libertés, dont j'ai été défenseur depuis maintenant plus de